Des membres de la diaspora rwandaise disent avoir été menacés et leurs proches enlevés dans le cadre d'une répression mondiale menée par les autorités rwandaises. Une enquête de la BBC a révélé des preuves d'enlèvement et un serment de loyauté controversé, ce que le gouvernement rwandais dément. Reportage de notre correspondant en Afrique du Sud, Andrew Harding. Récit Olivier Weber. Une vidéo fuitée d'un rassemblement à l'ambassade du Rwanda à Londres. Des membres de la diaspora doivent prêter serment au parti au pouvoir au Rwanda, promettant de le soutenir jusqu'à la mort. Si je trahis le parti, entonne-t-il, je serai puni par pendaison. L'ambassade nous a assuré que personne n'avait été forcé de venir, mais une personne dans la vidéo dit avoir été là sous la contrainte. D'autres confirment. Soit vous acceptez, soit vous êtes un ennemi. C'est noir ou blanc. Pas de neutralité. Aucune. Un gouvernement qui veut le contrôle de tous les aspects de la vie des citoyens rwandais. Même dans la diaspora. Même dans la diaspora. Le Rwanda est un petit pays au passé tourmenté. Depuis le génocide de 1994, il est dirigé par un homme, Paul Kagame. On lui attribue la transformation du Rwanda en une success story. Mais son gouvernement ne tolère aucune contestation dans le pays et de plus en plus à l'étranger. Les critiques pointent l'affaire d'un leader de l'opposition assassiné par étranglement en Afrique du Sud. Un chanteur populaire dont les paroles avaient déplu au gouvernement, retrouvé mort dans une cellule de police. Et maintenant, en Australie, un ancien réfugié rwandais nous dit qu'il craint pour sa vie. Noël Ziambabwe dit avoir refusé d'espionner d'autres exilés rwandais ici à Sydney. Comme punition, dit-il, ses deux frères au Rwanda ont été enlevés l'an dernier. Il redoute qu'ils sont morts. On ne sait pas s'ils sont encore en vie ou pas. Et vu les cas similaires qui sont arrivés à d'autres Rwandais, il n'y a pas d'espoir. C'est pourquoi j'ai décidé de parler. Ils n'ont jamais fait partie d'aucun parti politique. Pourquoi doivent-ils payer un tel prix alors qu'ils n'ont rien fait? Le gouvernement rwandais nous a répondu que ces allégations étaient, je cite, « de vieux et recyclés mensonges, fabriqués par quelques critiques qui veulent ternir l'image du Rwanda ». Mais nombre de ces allégations ne viennent pas de membres de l'opposition. Les preuves qui émergent d'Afrique, d'Australie, d'Europe et des États-Unis indiquent une répression beaucoup plus large, qui ressemble à une tentative d'effrayer des membres ordinaires de la diaspora rwandaise pour obtenir leur obéissance et leur silence. Les autorités rwandaises utilisent une gamme de tactiques pour réprimer toute contestation au Rwanda et à l'étranger. Harcèlement, menaces, détentions illégales, disparitions, tortures. Si vous êtes rwandais, c'est plus sûr de rester silencieux. Mais tant que le Rwanda reste stable et prospère, son gouvernement ne subit que peu de pressions extérieures pour mettre un frein à ses méthodes impitoyables.